قال خالد لموشية بعد خسارة وفاق سطيف أن فريقه لم يكن موفقا وأنه سيعمل على تصحيح مسار الفريق من أجل العودة إلى سكة الانتصارات. qui fait mal parce qu'elle est, elle est le fruit d'un cadeau. C'est que là, maintenant, le but, sur la première, une grosse erreur. Maintenant, moi, j'ai pas envie de parler uniquement du match de Lyon, j'ai envie de parler des 4 matchs. Un des 15 jours, donc, on est mal entendu. Donc, un des nadra ou un des une vision globale de l'effectif. Alors, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que le farci Lyon a un dash des moyens financiers ou effectifs que je t'ai raconté hier. Elle ne peut pas jouer tous les 3 jours. Elle n'a ni l'effectif, ni les moyens financiers. Je ne trouve pas les détails dans le voyage dans le Bayad, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait qu'à la fin, les joueurs avaient un manque de fraîcheur, même s'il y a une réaction deuxième mi-temps, mais ce n'est pas assez. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on est déçus, parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire, même s'il y avait un peu de fatigue, on aurait pu mieux faire. Et quand tu donnes des cadeaux à l'adversaire, à la halve, tu payes. Donc c'est frustrant, mais maintenant, voilà, il va falloir avoir un bilan avec les dirigeants et savoir ce qu'ils ont envie de faire. Si maintenant ils veulent avoir des objectifs, il faut qu'ils recrutent des joueurs. Sinon, on aura les mêmes difficultés dans la phase aller. Le problème, c'est que le calendrier, les 4 matchs en 12 jours, c'est compliqué. Mais si en plus l'effectif est limité, on va le payer soit aujourd'hui ou soit dans la deuxième partie de saison. En première mi-temps, il y a trop de joueurs qui étaient statiques et il y a eu trop d'erreurs. On a fait les mêmes erreurs en plus moi, en première mi-temps. Sauf que contre Ousmane, il y avait un peu plus de fraîcheur. J'ai revu le match. On fait des erreurs. Et là, aujourd'hui, comme l'erreur plus le manque de fraîcheur physique, à la fin, tu payes. Plus une erreur grossière entre Nazim et Ahmed Kendouzi. À un moment, la communication, je veux dire, à un certain niveau, tu ne peux pas perdre le ballon dans cette zone-là et avoir aucune réaction derrière. Donc, à la mi-temps, j'ai dit ce que j'avais à dire à certains. À la Manar Chem Hatawak. Donc, ça fait maintenant 15 jours que je suis là. Je commence à connaître les joueurs. Et là, il va avoir une trêve de 2 jours, je vais leur donner le repos de 2 jours. Et je vais parler avec les dirigeants, il y a des choses qui vont changer rapidement.